Bonjour à tous, c'est BMAT et bienvenue pour un nouveau Let's Math. Let's Math numéro 60. Et on continue notre série de vidéos pour se préparer pour la rentrée. Cette vidéo est destinée pour ceux qui vont rentrer en première, que ce soit en série S, que ce soit en série ES, ou que ce soit en série L. Cette vidéo vous est destinée. Je vous rappelle que pour bien travailler cette vidéo, vous pouvez mettre pause pendant que Virginie lit l'énoncé des 10 questions que je vous pose. Et ensuite, je vais faire un corrigé de ces 10 questions à la suite de cette vidéo. Allez, c'est parti. Préparation pour la rentrée de première, toute série. 1. F et G sont deux fonctions définies sur R par L de x égale à 8x plus 3 et G de x égale à 3 suivième fois x plus 5. Calculer les antécédents de 2 et moins 3 par F et G. 2. Le plan est muni d'un repère O, où I et OJ on donne les points, A de coordonnées moins 4, 4, B de coordonnées 5, 8, C de coordonnées moins 2, 0, et D de coordonnées 8, 2. Montrer que les droites AC et DB sont parallèles. 3. Soit les fonctions F et G définies sur R par L de x égale à x au carré moins 3x plus 1, et G de x égale à x au carré plus 2x moins 1. Déterminer les coordonnées du point d'intersection des courbes représentatives des fonctions F et G. 4. Soit ABCDEFGH1 cube. On a J le milieu de l'arrêt GC, est-ce que les droites HJ et AC sont séquentes? 5. A et B sont deux événements incompatibles tels que probabilité d'A égale à 0,5 et probabilité de B égale à 0,24. Calculer la probabilité de l'événement contraire d'A union B. 6. Donner le sens de variation de la fonction f définie sur R par f de x égale à moins 3x au carré plus 3x moins 2. 7. Sur un cercle trigonométrique, placer le point M associé au nombre 912 pi sur 6. 8. Résoudre l'inéquation A de x supérieur ou égal à 0, avec A de x égal à 4 moins x sur x facteur de x plus 2. 9. Donner la médiane de la série statistique suivante. 4, 4, 2, 1, 4, 6, 7, 3, 6, 10. 10. L'ensemble intersection de l'intervalle moins 5, 3 avec l'intervalle 2, 7 correspond à quel intervalle? La première question, on va définir les antécédents de 2 et moins 3 par f et g. Donc, calculer les antécédents, c'est résoudre l'équation f de x est égal à k. Donc f de x est égal à 2, f de x est égal à moins 3, g de x est égal à 2 et g de x est égal à moins 3. Alors, f de x est égal à 2. 8x plus 3 est égal à 2. Donc 8x plus 3 est égal à 2. 8x est égal à 2 moins 3 moins 1. X est égal à moins 1 huitième. Ensuite, 8x plus 3 est égal à moins 3. Donc 8x est égal à moins 3 moins 3 moins 6. X est égal à moins 6 huitième. Ou encore moins 3 quarts. Donc ça c'est pour f. Et maintenant pour G, 3 huitièmes de x plus 5 est égal à 2. Donc 3 huitièmes de x est égal à 2 moins 5. Donc 3 huitièmes de x est égal à... Donc 3 huitièmes de x est égal à moins 3. X est égal à moins 3 fois 8 tiers. Donc on divise par 3 huitièmes, on multiplie par son inverse. Donc x est égal à moins 3 fois 8 sur 3. X est égal à 8. Et ensuite, 3 huitièmes de x plus 5 est égal à moins 3. 3 huitièmes de x est égal à donc moins 5 moins 3 moins 8. Donc x est égal à moins 8 fois 8 divisé par 3. Donc x est égal à moins 64 tiers. Moins 64 tiers. Donc voici les antécédents de 2 et de moins 3 par f et g. Donc moins 1 huitième antécédent de 2 par f, moins 3 quarts l'antécédent de moins 3 par f, 8 l'antécédent de 2 par g, et moins 64 tiers l'antécédent de moins 3 par g. Deuxième question, donc on donne 4 points, et on va montrer que AC et DB sont parallèles. Donc comment on va montrer ça? On va calculer les coordonnées des vecteurs AC et DB, et on va montrer que ces deux vecteurs sont collinéaires. Ça veut dire que les deux vecteurs seront parallèles. Donc, on va calculer les coordonnées du vecteur AC. Donc, c'est XC moins XA, YC moins YA. Donc, XC moins 2, moins 2, moins moins 4. 0,
moins 4. Donc AC a pour coordonnées moins 2 plus 4, 2, 0 moins 4, moins 4. DB. Donc XB moins XD, YB moins YD. Donc ici on a 5 moins 8 et 8, 8 moins 2. Donc DB a pour coordonnées moins 3, 6. On a AC est égal à 3 demi, donc moins 3 demi fois DB. Les deux vecteurs AC et DB sont collinéaires. Donc les droites AC et DB sont parallèles. Alors, troisième question, déterminer les coordonnées des points des courbes représentatives des fonctions f et g. Donc, on va résoudre l'équation f de x est égale à g de x. Donc, x au carré moins 3x plus 1 est égal à x au carré plus 2x moins 1. Il y a x au carré à gauche et à droite, donc ça se simplifie. Donc, 3x plus 1 est égal à 2x moins 1. Moins 3x moins 2x est égal à moins 1 moins 1. Moins 5x est égal à moins 2. X est égal à moins 2 sur moins 5. Donc x est égal à 2 cinquièmes. Donc on va calculer ensuite f de 2 cinquièmes pour avoir y. Donc ici, on a 2 cinquièmes au carré moins 3 2 cinquièmes. 2 cinquièmes plus 1. Donc 4 sur 25 moins 6 sur 5 plus 1. Et ensuite, après un calcul de fraction simple, on trouve 9 cinquièmes. Donc le point d'intersection des courbes représentatives des fonctions f et g a pour coordonnées 2 cinquièmes. 9 cinquièmes. 2 cinquièmes, 9 cinquièmes. Quatrième question, donc on va représenter le cube. A, B, C, D, E, F, G, H. Donc GC, J, milieu de GC. On va tracer les droites AJ et AC. Les droites AJ et AC ne sont pas séquentes. AJ et AC ne sont pas séquentes. AB sont deux événements incompatibles, tels que PA, probabilité de A est égale à 0,5 et probabilité de B est égale à 0,24. Alors, donc deux événements incompatibles, ça veut dire que la probabilité de l'intersection c'est égal à 0. Ensuite, on veut calculer P de A union B bar, tout bar. Donc C est égal à 1 moins P de A union B. Or, P de A union B, c'est P de A plus P de B moins probabilité de l'intersection. Or, l'intersection est égale à 0, donc ici on n'en a pas besoin. Là, il faut retenir que P de A union B plus P de A inter B, c'est égal à P de A plus P de B. Ça, c'est une formule à retenir. Donc, probabilité que A union B, c'est P de A plus P de B. Et donc P de A c'est 0,5, P de B c'est 0,24, donc 0,74. Et 1 moins P de A union B bar, c'est égal à 0,26. 1 moins 0,74. Alors, le sens de variation de la fonction f. Alors, en classe de première, vous allez apprendre un outil important qui permet de déterminer le sens de variation de fonctions un peu plus générales, c'est la notion de dérivée. Bon, ici on va pas l'utiliser car vous ne l'avez pas encore appris. On va utiliser donc les outils de seconde et donc on va calculer la coordonnée du sommet de la parabole et ensuite avec le signe de A on peut avoir le sens de variation. Donc
Le sommet de la parabole est donné par moins b sur 2a et f moins b sur 2a. Donc a est égal à moins 3, b est égal à 3 et c est égal à moins 2. Donc moins b sur 2a, donc c'est moins 3 sur 6, sur moins 6. Moins 3 sur moins 6, 1 demi. Et f de 1 demi, c'est égal à moins 3 fois 1 quart, plus 3 fois 1 demi, moins 2. On trouve, donc après calcul, on trouve 5 quarts. Et ensuite, on peut tracer le tableau de variation suivant. Donc, 1 demi. Alors, bien entendu, A, le signe de A, c'est négatif. Donc, elle est croissante à gauche de 0 et décroissante à droite de 0. Croissante à gauche de 0, décroissante à droite de 0. Donc ici, on a 5 quarts. Ici, bien entendu, on a moins l'infini plus l'infini. Donc voilà le sens de variation de la fonction. Donc si on veut conclure, la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 demi et décroissante sur l'intervalle 1 demi plus l'infini. Septième question, sur la sphère trigonométrique, placez le point M associé au nombre 912 pi sur 6. Alors ici, 912 pi sur 6, on sait que quand on fait un tour, c'est 2 pi, donc à chaque fois 2k pi, en fait k c'est le nombre de tours qu'on fait sur le cercle trigonométrique, plus alpha pi sur 6. On met au même dénominateur, 12k pi sur 6, plus alpha pi sur 6. Donc ici, c'est une division euclidienne de 912 par 12 pi. Donc 912 sur 12. 912 sur 12, donc 91 divisé par 12, ça fait 7. Il va rester 7. 72 divisé par 12, ça fait 6. 0. Donc, après 76 tours, on va atteindre donc le nombre 912 pi sur 6. Donc le point M correspond donc à ce point-là. Si on fait le cercle trigonométrique, donc c'est le cercle unité, hein, cercle de centre O et de rayon 1. Et donc M, après 76 tours du cercle, on peut retrouver le point M ici. Huitième question. Donc, résoudre une équation a de x supérieur à 0 avec a de x est égal à 4 moins x sur x fois x plus 2. Donc, a de x est égal à 4 moins x sur x, x plus 2. Alors, on va résoudre a de x est égal à 0. 4 moins x sur x, x plus 2 est égal à 0. Donc, il ne faut pas que x, x plus 2 soit égal à 0. Donc, soit x différent de 0, soit x différent de moins 2. Donc, on peut multiplier si x différent de 0 et x différent de moins 2. Donc, ça, c'est les valeurs interdites de la fraction. On peut multiplier par x, x plus 2. 4 moins x égale à 0. Donc, moins x est égal à moins 4, x est égal à 4. Donc, on va pouvoir faire le tableau de signe suivant. Donc, a de x, 4 moins x, x, x plus 2, x. Bon, là, on pourrait encore diviser le tableau en 5 lignes, avec x, x plus 2. Mais bon, on va laisser comme ça. Donc, ici, moins 2, 0, 4. Bien, alors, 4 moins x s'annule en 4, et x, x plus 2 s'annule en moins 2 et en 0. Donc ici, 4 moins x, le signe de a, c'est moins, donc moins à droite du 0 et plus à gauche. Ici, les racines moins 2, 0, c'est... Donc A ça va être positif, donc c'est positif à l'extérieur des racines, négatif à l'intérieur. Et ensuite on lit plus, 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 plus. Ici c'est une valeur interdite, ici c'est une valeur interdite, ici c'est 0. Plus, moins, moins, plus, 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 moins, plus, moins. Donc on entoure quand c'est positif, donc ici et ici. Donc A de x supérieur à 0,
la solution, l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini moins 2. On ouvre l'intervalle, parce que c'est une valeur interdite, union, 0, 4. Et si on ferme l'intervalle, parce que ici c'est supérieur ou égal. C'est supérieur ou égal. Donc, solution, moins l'infini moins 2, intervalle ouvert, union, 0, 4. Ouvert à gauche, fermé à droite. Alors, donner la médiane de la série statistique suivante. Donc, on va, pour donner la médiane, il faut ranger la série en ordre croissant. Donc, ici, on a 1, 2, on a 3, 1, 2, 3, donc on a 3, 4, 6, 2, 6, donc 3, 4, 2, 6, 7 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, ensuite, on a grand N est égal à 10, N est égal à 2K, c'est un nombre pair, K est égal à 5. Donc la médiane, c'est X5 plus X6 sur 2. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, donc ici on a X5, ici on a X6, donc 4 plus 4 sur 2, 8 sur 2, 4. Donc la médiane de la série statistique est 4. Alors, l'ensemble suivant correspond à quel intervalle? Alors, on va faire une droite réelle. Alors, on va placer 0, moins 5, 2, 3 et 7. Donc, on va mettre en bleu, donc moins 5, moins 3. Donc bien entendu, là, les deux bornes sont fermées. En vert, on va mettre 2, 7. 2, 7. Il est donc ouvert à gauche, fermé à droite. Donc l'intersection, c'est les éléments qui sont à la fois dans cet intervalle-là et cet intervalle-là. Donc, l'intersection, ça va être ça. Il faut ouvrir à gauche et fermer à droite. Donc l'intersection, donc, on va noter I, cet ensemble. Eh bien, I est égal donc à 2, 3. Donc 2 ouverts, 3 fermés. Bien, le Let's Math est maintenant terminé. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes de Let's Math, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMath. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.